tous, heureux de vous retrouver sur la chaîne L'Équipe pour les courses de caisse à savon volante. Ça va, Johan? Florian, très très heureux de partager encore ce grand moment avec toi, moment de sport. Et regarde le vent qu'il y a en Hollande. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la tempête. Eh oui, c'est pas la Hollande, c'est l'Irlande. Alors ça finit pareil, mais ça commence pas complètement. Est-ce que je suis dans le bon programme? Est-ce que je suis dans la bonne émission? Oui. Alors si vous êtes en Hollande, c'est très sympa, Johan, mais vous verrez pas les caisses à savon. On est où? On est à Cork, on est à Dublin. En Irlande, on est en Irlande quelque part. Le principe, il est simple. Des fous volants qui ont construit des merveilleuses machines qui vont essayer de voler le plus loin possible, s'élancer de cette piste de décollage d'une dizaine de mètres. On va les pousser et puis on va voir où ça atterrit. Ah. Évidemment, il y a toujours cette notion de folie, de spectacle, de danse, de chorégraphie. L'artistique est pris en considération comme dans les caisses à savon. Mais après, il y a la performance avec ses premiers concurrents, avec un toutou qui va tout donner. C'est quoi, c'est de roupie? Est-ce que c'est de roupie? Je crois qu'il y a un petit côté de roupie quand même. Il y a un petit côté de roupies. Alors apparemment ils n'ont pas eu le temps de construire leur machine. Ça fait quand même 6 mois qu'ils sont dessus, mais ils ont pas le temps. Il a déjà perdu la tête. Ça commence. C'est la révolution déjà, les têtes qui tombent, les têtes qui roulent. Mais ils y croient, ils espèrent faire 43,50 m, c'est leur objectif. Vont-ils faire? Regardez, il y a des cargos. C'est un port d'Irlande, c'est le Connemara, c'est Michel Sardou. C'est un pont. Allez, c'est parti. Est-ce que ça va atterrir? Ça va aller loin. Du Connemara, ça va aller loin. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Allez. 5,53 m, c'est pas mal du tout. C'est tombé à pic. C'est l'homme qui tombe à pic, c'était incroyable. L'homme qui tombe à pic. Je suis l'homme qui vient de loin. Si vous suivez les courses de caisse à savon volante sur la chaîne L'Équipe, beaucoup de chansons de générique avec Johan et moi. Alors pas forcément les séries les plus récentes. Beaucoup de nostalgie. On n'est plus non plus des perdreaux de l'année. Hein, donc mais nous sommes des quadragénaires, comme on dit dans le milieu. Et là, regardez-moi ça un petit peu. Ils se sont mis à 4. C'était magnifique. Regardez, il y a vraiment. Regardez, c'est une vraie compétition. C'est mesuré, oui. Qu'est-ce que je vous avais dit ? On a passé les 5 mètres. On est 6 mètres. C'est pas mal. Avec cette sorte de raie. Mais rayé de la liste. Hein, c'est la raie du culte, évidemment. Il y a le denier du culte et oui, il y a la raie du culte. Voilà. L'arrêt bien au milieu. Allez, une vache. Une vache. Volante. La vache qui rit. Ouh, la vache qui rit, pas tout de suite. Hein. Peut-être c'est la vache qui coule. Hein. On va voir. Là, il y a de la motivation en tout cas. En tout cas, ils sont vachement motivés, ça c'est sûr. Est-ce que cette vache fera un effet bœuf? On va voir ça tout de suite. Oh la vache. Oh la vache, oui. Qu'est-ce qui est marqué? Spin, non? Spin. Spin Doctor, alors, évidemment. Spin, ça veut dire tourner, ce qui n'est pas le but. Là, il faut pas tourner, il faut voler. Allez. Là, c'est plutôt un rodéo, ça va être magnifique. C'est un oublion pas. Vous êtes devant les championnats du monde. Allez. De caisse à savon volante, ça s'appelle comment en allemand? Flugtag. Alors, c'est une vache un peu. On est au bord de la vache Mika. Hein. Allez, le monde qu'il y a en Irlande pour. Et regardez-moi ce tarmac. On est sur la piste de l'aéroport. Allez, c'est l'As des As avec Belmondo. Allez, c'est Belmondo. Ça crache. Ça crache total. Mais regardez-moi cette foule pour ces championnats du monde. Oui, mais il y a beaucoup de monde qui veut voir. Et là, il y a quoi? Il y a au moins 15 mètres de hauteur. J'ai peur pour la dame. Attention, il faut aller la repêcher. 10-15 mètres, oui. C'est la foule, évidemment. C'est la foule sentimentale. Et cette vache. Oui. Pour cette vache étalée de mal en pis, hein, Johan. Ça partait bien et ça a coulé. Pom, pom, pidou. Allez. Regardez ça, les ralentis. Ah oui, mais il a lâché la. Ah là là. Ouais. Faut aller prendre la vache comme le taureau par les cornes. Oh là là. Quand il faut y aller. On est toujours là. Allez, oh là là. Oh là là. Allez, regardez, qu'est-ce qu'on a là? On a Spider-Man, non? Je sais pas. On dirait plutôt des tenues un peu de cosmonaute, d'astronaute. Années 80, c'est très vintage. Oui. Et avec une petite chorégraphie. Voilà, ça, Johan, c'est vous. Ça, je sais faire. On voit de nuit. Ça, vous maîtrisez. Ça, j'adore ça. Tu vois, quand il y a une dichotomie entre le pied et le bras qui vont pas dans le même sens, tu sais, c'est un. Oh, le saut. Oh, le petit porté. Oh, le saut du cabri. Si, franchement, leur engin est aussi artistique que leur chorégraphie, ça va aller très loin. Le cabri, et cabri, c'est fini. Ah là là là, Francis Cabri, évidemment. Ouais, je n'étais rien, voilà, aujourd'hui. Mais ici, il n'y a pas de Brel, il n'y a que des grands spécimens. Je l'aime à voler. Allez, c'est parti, on va découvrir leur machine volante pour essayer d'aller le plus loin possible. Ah là, décidément. Mais où est leur engin? Je ne vois pas leur engin. Moi non plus, je suis très inquiet. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ils l'ont peut-être oublié. Dis donc, Jean-Paul, t'as pas oublié un truc? Oh là là là, mais c'est incroyable, ils sont venus à une compétition sur leur engin. Vous imaginez, c'est comme si Nadal arrive. Regardez, il y a un problème technique, si ça y est. Le monsieur qui est là, évidemment. Alors, là, oulala.
J'ai l'impression qu'ils ont fait faire ça par des maternelles. Hein, et là, surtout, c'est que c'est terrible. Regardez les conditions climatiques, évidemment. Qui vraiment, il y a de la pluie, il y a du vent, il y a des bourrasques. Je suis assez inquiet, Johan. J'ai très, très peur pour cet équipage. J'ai peur parce qu'il ne faut pas se blesser quand même. Attention, parce qu'il y a quand même 10 mètres de hauteur. J'ai très, très peur. Et d'ailleurs, le monsieur avec son casque. Oui, il a l'air moins rassuré quand il faisait la petite danse. Hein. Mais il n'y a pas de report. On ne report pas. On y va. Allez, c'est parti. On va pousser pour donner un maximum. Allez, la poussée d'Archimède. Allez, allez, on y croit. J'y crois. On est sur le tarmac. Oh, la roue. Allez, 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 ça va passer vite. Là, il faut pousser. Ça a l'air trop lourd. Allez, comme au bobsleigh aux Jeux Olympiques. Oh, la gamelle. Trop lourd. On a le droit à 150 kg maximum pour ces machines. C'est l'arrivée. Là, on a l'impression que ça fait 320 kg. À 149. On peut faire plus léger. Et regardez la caméra, évidemment. La caméra qui prend l'eau. Il n'y a pas de souci. La caméra, elle est, comment on appelle ça, la caméra embarquée. Elle est embarquée. Elle peut prendre l'eau. Comment on appelle ça quand on peut prendre l'eau? On est pas en apnée. On arrive à, comment on appelle ça là? À quoi? C'est quand on est dans l'eau et qu'une montre qui peut aller dans l'eau. Étanche. Voilà, une étanche, évidemment. Excusez-moi pour prendre le vocabulaire. Petit Larousse à vous, Johan. Je suis votre petit Larousse. Regardez-moi, 3,41 m. 5 mètres, ouais. Alors ça a planté. J'adore cette petite règle là, comme on avait à l'école. Oui, c'est mignon. Vous avez cette capacité à vous émerveiller d'un rien, Johan, c'est formidable. C'est un grand enfant. Qu'est-ce que c'est que ça, dites donc? Mais on dirait des tonneaux de vin. C'est Scrat, c'est l'âge de glace, c'est Scrat et c'est son gland. Il y a quatre glands. Regarde un film de cul. J'ai pas compris ce que t'as dit là. Scrat, l'âge de glace, le dessin animé, l'âge de glace, ce qui se passe à l'air glacier, à Scrat. Vous voyez, il est toujours attaché à son gland, il veut pas le lâcher quoi qu'il arrive. C'est vrai? Mais oui! C'est quoi son gland? Son gland, le gland, un gland d'un chêne. D'accord. C'est pas les films que vous regardez de lui rentrant chez vous. Non. Est-ce que ces glands seront rapides? Attention. Ils vont faire le gland saut en tout cas. Dans la mer. Allez, on va voir un petit peu ce que va donner ce Scrat. J'y crois. Il est joli en tout cas. Il y a eu travail et ça va remonter. Il y a 70 mètres sur le tarmac. La piste fait 70 mètres. Ils ont 70 mètres pour se lancer. Ils ont 70 mètres pour toucher la lune, pour toucher la dune, pour franchir ce port. Allez, on monte sur Scrat. Allez, c'est parti. La poussée maximum de vitesse pour pouvoir décoller. On vous rappelle que généralement la partie roulante se détache et c'est la partie du haut qui doit être plus possible. Parce qu'il y a vraiment un peu comme des Lego, évidemment. Hein. Oui, c'est le tout à Lego, évidemment. Attention, j'y crois. Allez, c'est parti. Allez, peut-être la prestation du siècle, la meilleure performance mondiale de l'histoire. Il y a un peu pas mal. Non, c'est pas bien. C'est, franchement, j'espérais mieux. Et puis surtout le visage, la tête la première dans la flotte. Eh oui. Oh là, allô, il y a quelqu'un. Ah oui, allô, c'est pas Scrat, c'était Nabila, hein. Non mais allô. Allez, on va essayer de sortir les glands. Non, il se noie. Attention, Laurent Haber qui nous traîne de dire, notre formidable chef d'édition qui nous dit, attention, Johan et Florian, le candidat est en train de se noyer, non, attention. Il y a de la sécurité, regardez. Est-ce qu'il y a les pompiers? Oui, il y a les pompiers, heureusement qu'ils sont là. Ils sont allés, regardez, il a quand même volé un petit peu, regardez, il a plané, Scrat. Et pourquoi ils sont partis sur le côté droit, évidemment, de ce tarmac? Pourquoi? Ah, j'ai peur. Pourquoi pas? Oh là là, j'ai eu peur, mais je crois que regarde comment il a fait. Il était beau ce Scrat. Et il a l'art de mettre la main sur son visage pour éviter. C'est l'arrache de glace quand même, ça méritait mieux. Ah, c'est qui ce monsieur? J'avoue que si chez vous vous reconnaissez, alors je ne sais pas. Hashtag caisse à savon, la chaîne L'équipe volante. Voilà. Qu'est-ce que c'est ce monsieur? Je sais pas, c'est peut-être j'ai l'impression que c'était un petit peu, tu sais, un dictateur afghan ou un dictateur, je sais pas, de la Biélorussie là. Ah oui, si ça se trouve, c'est le père de la personne qui a construit le. Pardon, monsieur, désolé. Regardez-moi. Allez, ça! Ouais, c'est génial! Ça, c'est pas mal, ça va rien. Il y a de l'idée au niveau architectural, ça va passer! C'est très léger, non ça! Mais encore une fois, pourquoi ils ont pas roulé droit? Mais Florian, ils sont partis comme ça! Mais je ne sais pas, on est en Irlande et apparemment ils sont passés par le pub. Non, mais ça roule à droite là, c'est pas possible! Mais pourtant, en Irlande, on roule à gauche, non? Je comprends pas, moi. Ah non, mais là, c'est. Ah mais avant, ils sont passés au pub pour faire le Dublin, évidemment! Ah, le Dublin de bière, oui. Oh là là, je comprends pas, il y a une erreur dans la trajectoire! Ils sont même d'ailleurs hors circuit quasiment. On n'a pas passé les 10 mètres. C'est dommage. Pourtant, j'y croyais, cette machine, elle avait l'air légère. Il y avait deux belles ailes. Aujourd'hui, on va sur Mars, on va sur la Lune. Il y a des formidables avions qui vont au bout du monde. Et là, on a des coucous. C'est des drôles de cocos. Oh là là, c'est terrible. Oh là, regarde. Ah oui, donc, allez, il a mis ses petits barésies. Sexy. Moi, je suis bien comme ça la nuit, de temps en temps. Ah oui. Quelques petites fêtes chez moi. Barési, et je peux vous dire, c'est un sacré guépier. J'ai l'impression que des barési sur vos cuisses, ça fait plus saucisson que sexy, non?
Regardez-moi. Ah, Barack Obama. Obama, yes. C'est Obama. Yes, we can fly very loin. C'est magnifique. To win the course of the case of the flying caisse à savon. Obama. Ça va être magnifique. Regardez des fans d'Obama, passionnés d'Obama. Ah, il y a Oussama Ben Laden aussi, dites donc. Oh là 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 là, attention. Alors, Oussama Ben Laden qui a fini à l'eau également, donc bon. Oh, attention. Eh ben voilà, il y est déjà, Oussama. Le CIA est intervenu, le FBI, ils sont intervenus, FBI, CIA. Ouais, alors bon, là, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de tour, donc ça devrait bien se passer. Allez, allez, ça y est, ils vont démarrer, les Américains sont ah, là. C'est Air Force One. Ah oui, Air Force One, l'avion présidentiel. Évidemment. Est-ce que ils ont rendez-vous avec François Hollande dans quelques instants au Bourget? Là, c'est Air Force One, hein, parce que c'est quand même très solide. Allez, attention. Est-ce que ça va voler sur J'y crois pas, Johan. Si, c'est l'Amérique. C'est l'Amérique, c'est les États-Unis, c'est le pas droit encore. L'Amérique, je veux l'avoir et je l'aurai pas. Et ça a foiré, ce n'est pas bien. Et c'est Joe Bassin. Oh là, ils sont tombés à l'eau. Joe Bassin, évidemment. C'est Joe Bassin, voilà. L'été indien, extraordinaire. Tu voudras quand tu voudras, et on s'aimera encore, parce que l'amour sera mort. Il y a la trompette là. Toute la vie, apparaît un matin, aux couleurs. Je t'entends pas, Johan. Ah, exactement. Là, c'est l'été irlandais. Oh, Champs-Élysées. Ta-la-ta-la-ta. Oh, Champs-Élysées. J'ai l'impression d'être dans Stop ou Encore. Et là, j'ai envie de dire Stop. Là, c'est non, avec nous, c'est Top ou Encore, évidemment. Buzz l'éclair vers l'infini et dans l'au-delà. Et là, c'est fantastique. Bah, regardez-moi ça là. Il y a Captain America également. Ils sont tout mélangés. Cette chorégraphie, ils ont travaillé des jours et des jours, des jours et des nuits. Il y a Jack Sparrow également. Donc, c'est tous les personnages Disney, Buzz l'éclair, Captain America. Vous adorez tout ça. C'est ma culture. Mais c'est génial. Il y en a partout dans mon salon. C'est vrai. J'ai l'impression d'être mon propre fils. Ah, oh, c'est très. Ça, c'est franchement. Vous avez gardé vraiment cette âme d'enfant, cette âme pure, évidemment, de l'enfant. Ça, oui, j'ai perdu beaucoup. Est-ce que vous regrettez votre enfance? Je regrette pas mon enfance, je regrette qu'elle se soit terminée. Ah, c'est beau, et je sais que vous êtes même allé un jour voir Platini à la Juventus. Vous avez vécu quelques années, 7 ou 8 ans. Ah, oui. Et c'est ça qui est beau, en tout cas. Vous avez vécu déjà des rêves d'enfant en étant enfant, et c'est très très beau. Et là, regardez-moi. Aujourd'hui, à eux, c'est le plus impossible avec Buzz l'éclair, évidemment, sur cette drôle de machine volante. Et là, c'est en Irlande, c'est Brise l'éclair. Allez, il vole, il met ses oiseaux, allez. C'est un oiseau, c'est un goéland. C'est fini. Bah, il aurait dû surtout tenir son aile. Non mais là, regarde, il est ridicule avec sa bouée de sauvetage là. Oh, là. La bouée là, mais c'est. Je suis déçu un petit peu par cette prestation. Ils ont beaucoup donné dans la chorégraphie, mais là, pas c'est, assez dans là, le. C'est Buzz Le Blair, hein, c'est terrible. Ah non. Ça va pas, Johan. Pourtant, regardez-moi ça. On se croyait vraiment au sommet d'une piste de bobsleigh. C'était magnifique. Le départ était magnifique. Mais après, il y a une bonne poussée. C'est le pilote qui n'a pas été à la hauteur de ses partenaires et de l'événement. Non. Le pilote était le maillon faible. Pour l'instant, Florian, aucun équipage n'est allé au-delà même de 10 mètres. Des 10 mètres, non. Déjà, 5 mètres, c'est compliqué. Mais 10 mètres, pour l'instant, il faut un peu se motiver. Allez, on se pousse. On donne tout. On pense aux téléspectateurs français. C'est bien beau de passer en Irlande, en République tchèque. Il faut penser un petit peu aux Marseillais, aux Parisiens, aux Strasbourgeois, aux Nantais, tous ceux qui donnent. Il y a des gens qui ont annulé des repas ce soir pour être devant la 21, pour être devant la chaîne de l'équipe. Évidemment. Et nous sommes vos yeux. Voilà. Et vous êtes nos oreilles. Ah, encore des. Ah, c'est Spyro le dragon. Personnage du jeu vidéo. C'est les années 90, c'est Spyro. Ah, Spyro, évidemment. Eh oui. Un nom très très important. Et les pierres à feu aussi, regardez. Vous vous souvenez des pierres à feu, les Flintstones? Ah, c'est magnifique, regardez-moi ça. C'est un animé culte, hein, des années 70, 60. Du rock. Et du rock fort. Mais ça pue un peu, peut-être, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un. Ouais, comme le char des pierres à feu. Alors, il n'y a pas d'ailes. C'est un conseil. Et où sont les patates? Il n'y a pas d'ailes, comment ils peuvent. Oh, mais comment? Non, j'ai peur! Non, mais Yoann, ils vont même pas faire 2 mètres là! C'est les caisses à savon roulantes, ils sont trop peu prendre. J'ai même peur qu'ils se blessent, j'ai peur! Bien! Oh, je l'ai pris sur la 1m20 quoi! C'est complètement préhistorique, c'est préhistorique. Non, mais il y avait un côté cher de Bénure, je trouvais. Il y avait quand même un côté un petit peu. On a dit que le principe c'est de voler. Je le répète à chaque fois, comment voulez-vous voler sans ailes? Et là, mais regardez-moi ça, il y avait ça. C'est Charles Élie Couture, comme un avion sans ailes. Voilà, c'est ça. Et bien finalement, quasiment ça fait 5 mètres, oui, mais enfin quand même. Même si cette règle, je sais pas si elle est bien placée quand même. Il y a un petit problème, je trouve. Ah, vous pinaillez, il commence à pinailler. Je ratiocine. Ah, oui. C'est la foule, évidemment. Il leur met des petites notes.
Toute l'Irlande s'est réunie, toute l'Irlande, il n'y a plus d'Irlande du Nord, d'Irlande du Sud, il n'y a plus d'indépendantistes, il n'y a plus de l'IRA, il n'y a plus rien, c'est que seulement de lire. À travers ce... C'est Freddie Mercury. C'est Queen. Ah, c'est magnifique. God Save the Queen. Et là, on écoute l'hymne national. C'était un grand moment. Break free. Freddie Mercury nous a quitté trop tôt. Na 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 na. God no. Radio Gaga. Ta ta ta. Freddie Mercury qui est mort il y a 30 ans, vous vous rendez compte ? Ah, c'est terrible ! Oh là là, tellement des chansons mythiques évidemment. Un groupe mythique Queen qui nous manque. We Will Rock You. God Save the Queen. Non, God Save the Queen, c'est l'hymne. Et c'est Bohemian Rhapsody. C'est extraordinaire. Et là, c'est quoi ? C'est un gâteau ? C'est un gâteau. On va ouvrir un gâteau et c'est moi qui va sortir. Vous allez être surpris. Et j'ai vu, il y a l'autre reine d'Angleterre. Il y a les deux Queens. Il y a Freddie Mercury, la reine d'Angleterre. Et regardez, c'est moi. La troisième reine d'Angleterre. C'est moi. J'ai pris un congé sabbatique de 3 jours et c'est moi qui va sortir du gâteau. Vous allez être surpris avec une moustache. Préparez-vous. Ouais. Appuyez sur le bouton de l'enregistrement. Montrez ça à vos petits enfants dans 50 ans. Arrêtez de faire le cake. C'est yo-yo. Allez. On va pas. C'est pas du gâteau, ça a pas été du gâteau ce. Ça décolle pas là. Freddie Mercury. C'est pas de la tarte. Hein. Freddie Mercury est bien content d'être là. Et ça va être Buzz l'éclair de la reine au chocolat. C'est la reine Elisabeth qui est sur le gâteau. Est-ce que Freddie c'est moi qui est dedans. C'est moi qui va faire le vol plané. C'est moi qui va arriver à 41,50 m, le record du monde. Regardez-moi, je suis à l'intérieur. Allez. Je suis en train de manger un petit peu le décor, c'est magnifique. Oh, je coule. Glou, 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 glou. C'est la Queen Elisabeth 2 mètres. Oui, Yohan, revenez, Yohan. Florian, sauvez-moi. Oui, je vais plonger. Je suis un corps. Attends, j'arrive. Un corps perdu. Un corps qui a crié. Je viens vous sortir de la gueule. Je reviens. Il est là. Revenez. Allez. Voilà, il est regardé. On l'a sauvé. Sauvez Willy. Sauvez Willy. Sauvez Willy. Regardez-moi quand regardez comment je souffre là avec mes pieds. Regardez-moi, est-ce que vous voyez mes pieds? Mais oui, je vous vois, Yohan. Je suis trempé. Ah oui, je suis trempé de sueur. Je suis déçu de ma prestation. Yohan, j'aurais voulu pour la reine faire beaucoup plus. Mais la reine est tombée. Mais je fais ma séance de sport. Aïe. En tout cas, Yohan, ce nouveau traitement marche très bien. Je sais pas, votre médecin a eu raison. J'allais voir mon psy hier. Revenez ici parce que ça va pas du tout, monsieur Ryu. Je confirme. Alors regardez, on a un vélo, un VTT avec une aile volante. Ça permet d'aller vite le volant. Ah, c'est génial ce nouveau sport. Allez. Non, il va tomber avant. Oh, y a, c'était Apollo 13. Oh Apollo 13 approximatif au niveau de la conception. Il la regarde juste avant déjà, il a failli tomber sur son vélo qui n'a pas tenu droit. Il a glissé, je pense. Problème d'équilibre. Je préfère Thibaut Pinot évidemment sur un vélo. On salue Thibaut Pinot évidemment. Oh là 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 là, là. Et ça franchit pas les 5 mètres. Il y a la barre psychologique des 5 mètres. On en parle à la psy aussi. Pourquoi dans la caisse à 5 mètres on dépasse pas les 5 mètres. Ça dépasse pas les 5 mètres. On a quasiment eu un 10 mètres tout à l'heure. Hein. On en a eu un. Bon. Mais il y en aura peut-être d'autres à venir. Allez, ça continue. Les courses de Kass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 
Ouais, bah on est à 5 mètres 21. Oh non, 7 mètres, je crois. 7 mètres, on a 7 mètres. Ouais, ouais. 6 mètres, 6 mètres. Oh, pas mal. On parlait très très bien l'anglais. Ah oui. Du grand, grand talent, Florian. Ah, c'est vrai que 6 et 6, c'est assez éloigné, donc je suis assez fier de moi. Regardez-moi cette foule. C'était l'Irlande, l'Irlande et l'Irlande unie à l'un de. Et là, est-ce que ça va être l'or? Ça va à deux à l'or, leur truc là. Ou est-ce que ça va. Est-ce qu'ils vont lâcher du bronze? Est-ce qu'ils vont lâcher du bronze? Attention. Pas pour passer, ouais. Mais ils sont quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ça brasier, fait 3 heures qu'ils nous embêtent. Mais là. Oui, parce que je pense que. Il y a tellement de vent que ça ne tient pas, ça veut s'envoler. Ce qui est le but. Ah, mais c'est ça. Veut s'envoler, verrez. Ça on veut se croirait à Berck, on se croirait sur la plage de Berck, évidemment. Et là, c'est magnifique. Il monte. Il monte à 6 mètres de haut. C'est absolument extraordinaire, hein, ce à quoi on assiste. Parce que là, ils prennent du temps, mais pour nous construire un chef-d'œuvre. Et il faut du temps dans la vie. J'ai l'impression que cet avion veut partir en arrière. Il la regarde-moi. Épouse-moi, Florian. Florian, pousse-moi. Ah, on va pousser avec lui. Regarde, je suis sur une chaise. J'avais entendu épouse-moi. Allez, j'ai peur. Allez, allez. Il me pousse. Voilà. Il est là et je suis là. Ça y est, je me suis craché dans la. C'est quoi la mer? C'est quoi la mer? À Corse. C'est la mer du Nord, c'est la mer Michel, évidemment, qui a perdu son chien. Oui. Allez, bon, ils y vont ou pas là? Non, mais là. Mais alors là, la position, elle est aérodynamique, je crois vachement. Lying air, fly life for free. Is life. Il faut rappeler de Maradona qui, avant un match à Stuttgart, faisait life is life. C'est magnifique, j'y crois. Ça m'a l'air très bizarre. J'y crois beaucoup moins que vous. Il tient allez. Pas. Ça ne tient non, pas. Non non je vous ai dit, ça ne tient pas. Ah, il a décollé, moins mais ça 70 mètres, c'est le pire record de l'histoire. 7 mètres, ouais. Non, mais le mec, il a 8 grammes aussi, le mec, il est en état. Là, non, mais il faut le mettre dans celui des dégrissements, là. Il faut qu'il souffle dans un ballon. Non, mais là, les gendarmes sont offusqués, là. T'as compris. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est là, un échec. C'est un échec total. Oui, mais c'est encore trop léger. Dans la vie, il faut accepter l'échec. Oui, mais il y a du parce vent. Que dans la vie, on perd plus que l'on gagne. N'oublions jamais ça. Mais d'accord, mais là, il y a du vent. Il faut te prendre en compte. Mais là, j'ai pas compris. Il était même pas dans le bon sens. Il y a eu un problème de construction. Il n'y a rien qui n'allait. Ah, ouais, mais quand t'es au pub à 6 h du matin pendant que ta femme est au lit, ça va pas du tout, ça. Tu te fais larguer après, il faut pas s'étonner. Il s'est icardisé là, c'est pas possible. Ah, c'est pas Icard, c'est Icard. Ah oui, comme je l'ai vu sur Twitter, un Icard de conduite. Hein. Je ne sais plus quel est le génie sur Twitter qui a pondu ce jeu de mots extraordinaire. Il y a eu un Icard de conduite. Ah, poison nommé Vanda. Une aura de problème. Thunderstruck, ACDC. Et là, c'est magnifique, regardez ce French cancan. Et moi aussi, je fais pareil, regardez-moi. Allez, c'est je parti. Sonne. Ah, regardez. Attention, il va se faire les croisés devant vous. Ouais, oh là là, oh, c'est superbe. Voilà, c'est pas le cabaret, c'est le cabouret. Hein. Oh là là, Johan, quelle souplesse. Le cabaret du culte, évidemment, toujours pareil. Ah, je suis trempé, c'est je suis grand. Transpire. C'est génial, c'est le plus grand cabaret. Ah là là, je mouille comme les bateaux, oh, évidemment. Je mouille, je suis arrivé au mouillage. Ah, il y a des portes jartelles. Allez, allô. Ouais, finalement, ils ont plongé quand même, c'est le but. Vous savez que, vous savez, je vais vous faire une révélation, je n'ai jamais vu un string de ma vie. Jamais. Je n'ai jamais eu un string dans mon lit. C'est vrai. Vous voulez que j'enlève mon pantalon pour vous montrer? Non, c'est plaisant. Jamais de string. Jamais, j'ai pas une chance dans ma vie. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai? Et là, le soleil, regardez. C'est incroyable, le soleil s'est levé. Là, c'est quoi? C'est. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est les Transformers. C'est pas Goldorak. Non, c'est les Transformers. C'est les robots qui se transforment en voiture, en camion. C'est vrai. Transformers, c'est quoi? C'est un dessin animé, c'est oui, une série. Ça a été des films, surtout les Transformers. Oh, j'ai pas de culture. J'ai pas de culture. Alors, vous connaissez, vous avez jamais vu les Transformers? Vous avez jamais vu un string? Alors, vous avez jamais vu un Transformers en string? Vous connaissez même string, le chanteur de Police, vous connaissez pas? Ah, Roxette. Et là, regardez. Eh oui, c'est les Transformers, mais est-ce que les Decepticons sont là, leurs ennemis? Je ne sais pas. Ce qui est bien, Florian, avec vous, c'est que j'apprends énormément de choses et je le dis vraiment de manière véritablement. Ce qui est génial, c'est que vous apprenez plein de trucs qui ne servent à rien. Oui, mais c'est pas grave, la culture, parce que mes petits-enfants dans 50 ans pourraient leur en parler. Oui, allez. Good luck, guys. Et là, regardez-moi ça, les oreilles, les grandes oreilles, ça va. Et j'y crois. Optimus Prime. Allez, peut-être 10 mètres. Allez, allez, Prime Vidéo. Allez, 10 mètres. Aïe, aïe, aïe. Mais pourquoi ils piquent du nez tous? Oui, c'est la déception. Ils ont pris un anxiolytique ou pas? C'est pas possible, ça. Ils piquent tous du nez, ils font moins de 5 mètres tous. Je comprends pas ce sport. Je veux bien comprendre beaucoup de choses dans la vie, mais là je veux bien comprendre le réchauffement climatique. Pas des robots volants, il a fallu Goldorak. Mais ce stop là, regarde-moi ça, même pas 5 mètres là encore. Non, mais une trop fois, lourd, il s'est planté. Trop lourd. Ah, c'est compliqué là, 5 mètres 50, allez. Et ça montre que regardez, parce que le mec qui a créé cette compétition. Franchement, il pensait, t'as vu, c'est jusqu'à 25 mètres. Hein. Il pensait qu'on pouvait aller jusqu'à 25 mètres. C'est quelqu'un qui croit en la vie. C'est quelqu'un qui est très ambitieux. C'est quelqu'un qui va. Dans la vie, il faut toujours penser à aller au-delà.
de tout. C'est ça un enfant qui rêve. Allez, on continue. Et là, on a encore des mecs bourrés, évidemment. Équipe. Quel sport extraordinaire, n'oublions pas, la caisse à savon volante. Eh oui, c'est du génie, regardez-moi la foule, nous sommes. On va faire toutes les caisses à savon. Vainqueur des champions du monde. Les caisses à savon, les caisses à savon volantes. Là, on est en train de chercher avec Pierre Portelance les caisses à savon sous-marines. Toutes les caisses à savon, on cherche tout. Et là, on va vous présenter un nouveau sport très très bientôt, ça va être extraordinaire. Ouais, on peut pas en dire plus. Les ballons de baudruche, peut-être qu'ils ne doivent pas tomber. On va égayer vos soirées avec les ballons de baudruche qui ne doivent pas tomber. Allez. Qu'est-ce que c'est que cette machine volante étrange? Les fofs sont lâchés. Ça va être une course absolument extraordinaire. Ah bah il y a du ballon, c'est la maison, c'est là-haut, c'est Pixar. Je suis en adéquation avec le futur programme extraordinaire. De toutes les couleurs évidemment. Et j'espère que ce ne sera pas de toutes les douleurs dans quelques instants. Pour alors ils ont quand même mis des petites ailes à cette maison hein, pour respecter un peu le concept qui est comme deux volets. Hein. Allez monsieur, on y croit. Ah, on se déballonne avec vous. On y va. On irait, tiens, on dirait ça à Deauville, les petites cabines. Ouais. Chez les ballons. Alors les ballons se sont envolés, mais pas eux. Et c'est facile de critiquer de moi dans mon siège. Mais regardez, il faut se lancer de ça. Il faut se lancer de 10 mètres de haut parce que tout le monde n'est pas capable. Regarde, ah c'est moi. J'aime se frotter. J'aime me frotter la panse. Frottez-vous. Et donc je pense, donc je suis, disait qui? Ça c'est qui? Je pense. C'était Descartes. Descartes évidemment. Bah, décarte-toi de là que je m'y mette. Ah là là, décarte. On va jouer au Uno. Et là, le monsieur, regardez à gauche. Pourquoi il hésite? Parce que le monsieur est avec ses chaussettes. L'eau, elle doit être à 12 degrés quand même. Hein. Oh allez. Il hésite, faut pas hésiter. Non. Allez, vas-y, pousse. Yeah. Il y a les pompiers qui sont là au cas où. Le petit Zoliac, le ralenti. Ah, ça avait quand même très peu de chance d'aller loin. Comme on les appelle là-bas à Cork, les sans-peur-papiers. Les sans-peur-pompiers, pardon. Alors là, c'est le commandant de bord avec ses stewards. Highway to Hell, AC/DC, l'autoroute vers l'enfer. Et l'enfer, il est au bout de cette piste. Oui, c'était terrible ce qui m'est arrivé. Dolores O'Riordan, what's in your hand, zombie. Voilà, on va rester là. Et là, je crois en eux parce que franchement, il y a de l'aérodynamisme dans leur engin. Regardez, les dents sont pourries. Oui, mais il faut pas que ce soit Walking Dead, là, il faut que ce soit Flying Dead, Yohan. Il faut que ça vole. Il faut voler là. Allez, on s'envole. On pousse des bras. Allez, vous dans votre canapé là-bas, on pousse. Est-ce que ça va faire plus de 5 mètres et que ça va être zombie ou zombie? Et regardez, ils ont mis du pétrole. Ils ont mis du pétrole pour s'envoler, j'y crois absolument. En tout cas, il est beau, hein, il est beau. Non, ça part de côté. Mais avec la fumée, il voit rien. Non, mais c'est incroyable. Arrêtez ça. On va redémarrer. Arrêtez les rotatives. Allez, incroyable. Ils ont pas réussi. Allez, on part en arrière. Deuxième essai, deuxième tentative. On a le droit, évidemment. Oui, on a tous les droits. C'est la folie en Irlande. C'est du sport. C'est un championnat du monde. Mais on a le droit aussi un petit peu à l'erreur. On a le droit d'avoir une deuxième chance. C'est important. On peut faire des bêtises dans la vie. Allez, le zombie flyer va repartir. Et là, le pétrole, franchement, normalement, il va s'envoler. Normalement, il va nous rejoindre dans quelques instants dans la cabine. Il va faire 506 000 km. Une idée ouais, fumante. Ouais, allez, pousse. Oh, il en a perdu. Par contre, l'œil a décollé. Alors, est-ce qu'on va mesurer l'homme ou l'œil? Si on mesure l'œil, Johan, on est à 6-7 mètres. Hein. Ah ouais, bah j'y crois alors. J'y crois. L'œil. Oh là, dent pour dent, œil pour œil. Mais là, avec cette défaite, c'est plutôt dent pour dent, d'œil pour d'œil. D'œil pour d'œil, ouais. Regardez l'œil, il part, l'œil. Ah, c'est la queue, il a ricoché, l'œil à 8 mètres. Incroyable, l'œil qui ricoche. Il a perdu. N'est-ce pas? Retrouvez mon œil. Quelle peine. Il y a du popotin. Oh, c'est Elio, c'est les Village People. C'est un programme QQ quand même, la praline, je trouve. QQ, c'est les Village People. Bah là, on voit le QQ, mais on voit la praline. In the Navy, as we see the Seven Sea, in the Navy. Ah là là, j'aime ces fesses. Deux fesses à un. Ouais, YMCA, mais scié de rire. Hein. C'est un. Bah oui, aujourd'hui, c'est la technologie, c'est FaceTime aujourd'hui. Eh, exactement. Alors, par contre, on ne sait pas du tout avec quoi ils vont voler. Bah, ils vont voler avec leur pistolet à eau. Et c'est vraiment des conditions climatiques terribles ici en Irlande. Il y a beaucoup de vent. Il fait froid, il y a du vent. Mais regardez-moi cette foule absolument incroyable. Comme vous ce soir, vous êtes plus de 500 000 téléspectateurs à nous regarder. On est sur le cul. Hein, comme là, regarde-moi ça, ce postérieur en tout cas. Mais sur quoi il va le poser ce postérieur? Il y a une aile volante derrière, j'ai l'impression, mais... Pourquoi il passe son temps à montrer son postérieur, ce monsieur? C'est un exhibitionniste. C'est un striker. Ben oui.
Moi je monte mon téton, je monte mon nombril, mais lui c'est son... C'est son... C'est le recto verso, il adore le verso. Et ça danse, il y a... C'est la danse des canards, là 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 Ils font quoi, quoi, Johan? C'est des canards, écoutez. Ils font pas miaou, c'est des canards. Johan, il faut vraiment que je reprenne à zéro. Est-ce que vous hein prenez du canard WC chez vous? Moi, je prends du canard WC. Ah ouais. Absolument incroyable pour chasser les odeurs. Regardez-moi ça, il y a même une grue. Il y a même une grue qui est là. Et là, les gens, ils ont mis leur kawaii. Montez les machines. C'est la tempête. C'est la tempête. Ça t'aide à l'heure de surf, là. Il y a un grain, là. Il y a un grain. Et eux, ils en ont un grain. Il y a un grain de folie, un grain de bonté. C'est un grain de bonté. Ici sur ce programme de fou. Et l'autre qui vraiment j'y crois avec sa moustache et tout, je pense qu'avec ce vent, le vent est favorable. On me dit dans l'oreillette que bord terrain met le son moins fort, me dit que tout à fait mon cher Johan, my dear Johan, the wind is very favorable. I want, alors donc Florian qui nous dit que Mbappé, bah franchement il a du énorme talent, grand match de Mbappé, il a fait une préférence extraordinaire. Regardez, contre son arrière-train il chausse his ass, ça va le faire. Allez, ça y est, peut-être la plus grande performance de l'année, c'est favori. C'est comme une manie, parce qu'il continue à montrer son cul même en l'air. Hein. Il faut avoir le cul propre hein, pour critiquer les gens. Eh bien, moi je l'ai pas, donc je ne critique pas. Franchement. Et là, il a eu le cul bordé de nous, il met à l'eau. Hein. Et là, le WC était fermé de l'intérieur, évidemment. Exactement. Hein. Regardez, regardez-moi combien de mètres, 7 mètres ou 8 mètres. Allez, 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 allez. Pas loin, pas loin quand même. Ouais, 8 mètres, facile. Mais regardez, il a fait demi-tour. Et franchement, ça qui est beau, c'est qu'ils perdent leur matériel comme en mer, parce que c'est pas récupéré hein, là. Non, il n'y a pas grand chose à en faire. La police des mers ici en Irlande ne récupère pas le matériel, donc c'est perdu. Mais leurs espoirs en tout cas. Ah, regardez, super. Les Avengers, c'est Spider-Man, il y a Captain America, il y a Batman. C'est fantastique encore une fois. L'apport. Il y a du déguisement. L'apport, c'est quoi? C'est du cinéma. Peut-on parler de cinéma? Oui, c'est du cinéma. C'est du cinéma aussi. C'est du dessin animé. Et regardez comment on appelle ça. C'est pas une trombe. Qu'est-ce qu'on dit là dans le ciel? Regardez. Il y a une sorte de d'ouragan. Il y a une sorte de tornade. Pierre Tornade, évidemment. Vous vous rappelez de Pierre Tornade dans. Vous savez, la 7ème compagnie. La 7ème compagnie Pierre de Lune. C'est absolument extraordinaire avec Jean Lefebvre. C'était mon préféré, Jean Lefebvre. Extraordinaire. Attention, ça glisse. Et là, il faut avoir. C'est les Avengers. C'est très dangereux, Florian. C'est très important. Il faut vraiment. Alors, super héros ou super zéro, on va le savoir un petit instant. Parce que là, franchement, j'ai peur pour des glissades. Les conditions sont vraiment très, très compliquées. Mais par contre, leur machine m'a l'air assez légère. Donc, ça peut-être voler, Johan, quand même. Ça reste. Ils ont lu des livres des Léonard de Vinci. Qui a pas inventé l'avion, Léonard Vinci, il a inventé quelque chose par rapport aux airs. Sur les ailes volantes. Et là, attention. Vous savez que la cape de Batman est inspirée de l'aile volante de Léonard de Vinci. On voit que vous êtes un pensionnaire des grosses têtes. On voit que j'ai pas dit. Depuis 30 ans. Salut Laurent Ruquier d'ailleurs qui nous regarde, on le sait. Bien sûr. Laurent nous regarde. Alors attention, c'est absolument extraordinaire. Regardez-moi ça, il t'habille en jaune, il t'habille en canari, il t'habille en pingouin. C'est parti. Ouais, c'est le grand soir. Allez. C'est maintenant l'heure du record du monde. Ça fait 10 mètres, je crois que ça fait 10 mètres. Je crois qu'on a atteint les 10 mètres. On est au bord, on a peut-être 8 mètres 59. Laurent Imbert dans l'oreillette, là, notre chef d'édition, me dit peut-être il a pris la règle. Ce serait entre 9 mètres 21 et 10 mètres 12. Attention, est-ce que Laurent avait le compas dans l'œil? Regardez, pas mal. Presque les 10 mètres. Et Batman qui s'envole derrière. Et Spider-Man. Il aurait pu faire mieux encore. Il aurait pu faire mieux, mais il a mangé un peu trop de kebab hier. Allez, qu'est-ce que c'est? C'est un programme du 10 ici. Hein. Là, on a l'impression de retrouver ce film extraordinaire. Évidemment, les gendarmes de Saint-Tropez. On a l'impression de voir lui de Funès. Qui ne sera jamais funeste. J'adore cette musique. What's in the bird? Qu'est-ce qu'il y a dans un oiseau? Bah, suffisamment de quoi voler, j'espère. Il y a de la plume. Il y en a un qui s'est fait plumer par contre. Hein. Et là, franchement, vous pouvez écarter vos enfants si vous voulez. Hein. Vous pouvez, si vous avez peur en tout cas, ce n'est pas des images à montrer à tout le monde. Oh, c'est un petit popotin. Voilà. Ah, moi, quand j'adore les popotins, c'est pour ça que je lis beaucoup. Voici évidemment. Hein. On attend toujours les dernières nouvelles un petit peu de nos people. Les derniers popotins. Alors, qu'est-ce que c'est que cette machine? Voilà, on assemble au dernier moment. Alors, il y a un siège. Oula. Il y a de la création. Tourne. Attention, ils ont fait un pari. Ils ont fait un pari un peu comme les buggy au début, là, sur le Paris-Dakar. Moi, je préfère les baggy en tout cas. Mais attention, ils y croient. Regardez-moi ces sourires. Regardez-moi de la fraternité. Allez, mon petit poussin. Allez, c'est l'heure maintenant de montrer à ta maman que t'es un champion. Allez,
Allez mon petit. Allez. Allez mon petit. Allez comme au ball trap. Boule. Allez, 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 ouais. Bravo. C'est pas touché coulé, c'est touché poulet. Il est allé au bout de ses rêves, évidemment. J'irai au bout de mes rêves. Ta ta ta. Tout au bout de mes rêves. Ta 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 ta. Tout au bout de mes rêves. Quand la nuit s'achève. La raison s'achève. C'est magnifique, regardez-moi ça. Johan, vous êtes un petit peu Jean-Michel approximatif sur les paroles. Jean-Michel. Jean-Michel, un peu presque. Je lève à courir, je lève à courir. Jean-Michel approximatif. Mais là, j'ai adoré parce qu'il y avait vraiment, comment dire, de l'amitié dans cette équipe. Oui. Et il est arrivé le siège à l'air. Voilà. Le Saint-Siège. Et bravo à eux. Vatican de l'amour. Ah, j'adore. Et encore les Village People. YMCA. Allez, on fait la chorégraphie. Allez. Et on fait la chorégraphie. Ah, je la connais bien. Allez. Là, là, on va se mettre à genoux parce que sinon on va là, pas. Là, 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 attention. Là, là. Attention. T'es prêt? Allez, c'est vrai, Yon. Ah. Attention. Young man. Young man. Young man. Si on m'avait dit un jour que je ferais les Village People à genoux dans une cabine de la chaîne L'Équipe, je ne l'aurais pas cru. On est bien, Florian. Oh, là, là, là. Attention. Le Y. YMCA. La 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 la. YMCA. La 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 la. YMCA. Johan, c'est un 10. C'est un 10. C'est votre premier 10. Voilà. Allez, on y retourne. Oh là là. Les Tar Academy. Il est Tar Academy. Ah, j'en peux plus, mon cœur à l'ouvrage. Vous savez, chers testateurs, je mets mon cœur. Je n'ai pas dormi de la nuit, je serais j'avais la boule au ventre avant de commenter ces champions. Parce qu'on espère être à la hauteur de ces champions, évidemment. Bon, alors, c'est pas tout. On a fait la partie danse. Maintenant, c'est pas tout, c'est qui alors? Il y a, c'est une compétition qui a du chien, évidemment. Regardez, c'est une chaise de bureau. Ouais. Une chaise de bureau. Ouais. Ouais. Non. Il en faut des burn out évidemment pour tenter ce saut de hanche magnifique. Il était sur un siège équitable, ce salarié depuis très longtemps. La DRH était pourtant comment dire, avait été contacté. Ah, c'est un VDD, c'est un vol à durée déterminée. Très court. Ah là 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 là. Il passera pas la période d'essai celui-là. Ah là 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 là, il va prendre ses RTT. Moi c'est plutôt les RTTons. Regardez-moi ce sol, ce vol. Ah oui, chapeau, plongeon. C'est magnifique. On dirait un ULM. Un nul. Un nul. Un nul ULM. C'était vrai. Allez. Ah, j'adore. Viens, mon petit Johan, c'est mamie. Avec sa couverture de la couvre. On a sorti mamie des orties. Ils veulent encore se débarrasser de la guille pour toucher l'héritage. Oh là 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 là. J'ai la tristesse quand même, parce que franchement... Ah bah, mamie marche finalement. Oh, voilà. Mamie. Bon, mamie a retrouvé la marche. Oh, mamie blue. On salue Nicoletta, évidemment. Bien sûr, on salue tout le monde. Je précise quand même aux téléspectateurs qui nous regardent sur la chaîne L'Équipe que nous sommes passés avant la compétition au contrôle antidopage et que nous sommes à jeun. Non, je suis totalement dopé. Ah, pardon. Mais ils ont dit, évidemment, pour le bien de l'audience, bien sûr, on va le garder, lui. C'est un fada. Je suis totalement déchiqueté. Regardez-moi ça, ça danse évidemment. Ah, ça fait un on petit peut être malade, chien. On peut être à l'hôpital et garder le moral. On est sur du Smurf. Et ça fume évidemment. Bien sûr, on est en Irlande. Mais par contre, je n'ai pas vu leur machine volante. J'aimerais bien quand même savoir qu'est-ce qu'ils nous ont. Et comme disait, c'est Michel Sardou, non? C'est Michel Sardou, c'est Serge Alvar. Fume, la 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 la. Fume, la 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 la. Là, c'est un âne. C'est un âne volant. Et non. C'est l'âne de Shrek. Attention, allez l'âne. Allez. C'est comme Francis Lalanne, ça coule la bique. C'est Francis Lalanne, là. Corps et âne. Oh, c'est terrible. Il a passé l'âne à gauche. Ah, j'adore. Ah, encore du Queen. Don't Stop Me Now avec des vaches. Ah, j'adore. Des vaches sur du Queen. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. C'est ça qui est bien dans les courses de casse et volante. C'est que plus c'est n'importe quoi, plus on aime. Parce que dans la vie, il faut avoir de la dérision. Il faut avoir de l'autodérision. Il faut pas être susceptible. Il faut accepter la critique. Il faut oser. Il faut pas se prendre au sérieux, évidemment. Il faut faire les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Jamais s'arrêter. Don't Stop Me Now. Ne m'arrêtez surtout pas. Stop Me Now. Et regardez-moi ça un petit peu. La nuit, même les mamans ont été mises à contribution pour créer. Regardez-moi la queue un petit peu. Et là, regardez-moi ces gens. Ah, c'est nos copines, Florian. On les a rencontrées hier au pub. Oui, on les a matchées sur Tinder. Et bizarrement, elles n'ont pas matché. Elles ont dit non, évidemment. Ils ont renversé du lait dessus. C'est des vaches, évidemment. C'est des vaches, ils ont renversé du lait.
programme Bébête. Là. Non. Je refuse ça parce que c'est le Bébête Show ici. Vraiment. Exactement. On a appelé Fabrice Colaro, mais il n'était pas disponible. Donc finalement. C'était Stéphane. Fabrice était son frère. C'est tout l'arbre généalogique. Alors, comment c'est quoi Mitterrand s'il vous plaît dans le Bébête Show? Fais-moi que. C'est un scandale en royaume Rio. Allez, peine cassée. Faites-moi Chirac. Faites-moi Chirac. La coteuse tombée à l'eau. Ouais. Et voilà, c'est déjà fini. Allez, faites-moi encore un nouveau politique, un autre politique, s'il vous plaît. J'ai l'impression d'être Laurent Gérard. Ouais, je suis à Paris. Des imitations d'il y a 1000 ans. J'ai imité des gens que les enfants qui nous regardent ne connaissent pas. Remarquez, c'est comme ça, c'est bien parce que ils peuvent pas dire que je les imite pas, puisqu'ils ne savent pas qui c'est. Faites-moi Giscard. Qu'est-ce que vous faites faire? Faites-moi Giscard. Vous faites genre n'importe quoi. C'est terrible. C'est terrible. Faites-moi Nicolas Sarkozy. Faites-moi Nicolas Sarkozy. Je peux vous dire mon petit cœur. Quelle sa savance, c'est fantastique. Bon voilà. J'espère qu'on détruira la bande après diffusion pour ma carrière. N'oublions pas que nous sommes payés pour commenter oui, ça, c'est ça qui est beau. Et grassement. Parce que la vie elle est géniale, la vie elle est grande. Évidemment. Ah voilà des. Et regardez-moi ces fantômes. C'est les premiers de corvée. C'est les zombies, les premiers de corvée surtout. Les là. Corvée, ouais, ouais. Corvée d'âme. Corvée, c'est ce que j'allais dire. Tu m'as corvée, battu de ce corvée. Corvée d'âme, merci. Allez, tu passes devant là. Au dernier moment, tu passes devant. Ah les zombies. Allez, ils sont complètement à plat. Ouh. Alors, là j'avoue que je sais type de boisson énergisante, pense donner un petit coup de fouet. Oh là 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 là, vraiment, ils sont à bloc. Ouais. Ils sont à bloc, ils ont plein de fer dans le corps, plein d'énergie, on y croit. Allez, allez, allez l'énergie. Ils vont aller chercher leur machine volante, la voici. C'est une sorte de grand papillon, je sais pas ce que c'est, ouais, on va voir. Ouais, j'y crois encore. Là, alors Florian, est-ce que vous pensez que, bonjour mesdames, et ça danse, et ça remue du popotin, est-ce que vous pensez qu'ils vont aller loin? Est-ce qu'ils vont faire les 10 mètres enfin? Personne n'a fait 10 mètres encore. Vous avez reconnu les créatures d'Avatar. Et moi, le problème, c'est que je suis resté dans les années 80, je ne connais pas les Avatars. Je sais pas Avatar, le film Avatar. C'est vrai? Avec le personnage bleu, James Cameron. De toute façon, ton ou Avatar, on y arrivera, Florian. Et oui, James Cameron a réalisé Avatar, mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'il a réalisé également Titanic, et j'ai l'impression que ça va plus être Titanic qu'Avatar cette affaire. Non, ça va couler, je crois. Attention, non, j'ai peur. J'ai peur. Allez. Et oui, comme on dit, mieux vaut Avatar que jamais. Et là, c'est le Titanic, ça a coulé. Et il pense à Céline Dion, évidemment, hein, qui a annulé des concerts. Céline Dion, elle avait des spasmes musculaires. On l'adore, évidemment, Céline Dion, pour que tu aimes encore, évidemment. Tabarnak, on l'aime. Qu'est-ce qu'on l'aime, Céline? Elle est tellement fantastique. Est-ce que vous pouvez imiter Laurent Gérard? Vous imitez Laurent Gérard, quel intérêt. Oh, allez, Gérard. Ça tombe à l'eau. J'ai rarement vu ça en tout cas, ouais, franchement. Ouais, une compétition aussi extraordinaire. Regardez, regardez-moi. Regardez Avatar. Parce que c'est une team, c'est une dream team évidemment. C'est pas un sport solitaire, c'est un sport solidaire évidemment. Oui, et 5 mètres vraiment, vraiment en étant généreux. Je ne trouve pas qu'il y a beaucoup de poésie, c'est pour ça qu'on les appelle d'ailleurs les vers solidaires évidemment. Oui, c'est beau. Parce que c'est les Alexandrins. Et franchement, on oublie un petit peu, mais c'est une team. C'est des heures de boulot finalement qu'on a laissé au patron. Entre amis, c'est avec les copains quoi. Ça c'est un petit peu comment dire, c'est vraiment, c'est voilà, on fait un week-end à Rome. Exactement, week-end à Rome, avec 100 personnes. C'est Etienne Dao, non? Etienne Dao, bien sûr. Dao et débat, mais il n'y a pas de débat ici. Alors, il n'y a pas de pour ou contre, on est tous d'accord. Un papillon géant avec un pingouin. C'est quoi, c'est son nez? Ne me demandez pas pourquoi. C'est son bec, son bec. Oui. Les pingouins ont un bec. Bec. Ah, j'adore comment ça marche, la démarche là. Saint Elmo's Fire. La démarche de Samuel Umtiti. Ouais. Casser la démarche comme Samuel Umtiti. Mais Samuel Umtiti, maintenant, il est tellement blessé qu'il marche vraiment comme ça. Ah ouais, et là, on voit des gros minets, évidemment, aussi. C'est du pingouin, hein. Oh là 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 là. Vous voulez pas de mes pingouins? Moi, je préfère le pain beurre que le pingouin, mais que vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut au petit déjeuner, hein. C'est le manchot business aujourd'hui sur la chaîne L'Équipe. En espérant que ça va décoller avec ce gros papillon. Manchot must gone, évidemment. J'adore cette musique. C'est quoi cette musique? Excusez-moi. Saint Elmo's Fire, oh, John Parr, c'est un truc des années 80. C'est pointu hein, quand même. J'adore, hein. j'adore. Je suis votre Shazam à vous. Vous êtes vraiment mon maître. J'avais Didier Roustan pour le foot et j'ai Florian Gazan pour les caisses à savon volantes, les caisses à savon, le bûcheronnage sportif, la pétanque. Qu'est-ce que vous faites encore comme sport sur la chaîne L'Équipe? Je fais également les sports de force. Ah oui, c'est vrai, exactement. Eh oui, parce que. La force basque, évidemment. Quand ils ont vu mon physique, ils se sont dit forcément, on va le prendre lui.
Alors c'est parti, le papillon va peut-être s'envoler. Est-ce que c'est une larve ou un papillon? Ouais, il va y arriver dans quelques secondes. Allez, c'est un champion, regardez-moi ça. Les 10 mètres, on tient les 10 mètres. Allez, allez, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Allez, on pousse avec 10 mètres. Peut-être. Il faut voir la barre, il faut voir la barre, il faut voir le ralenti. J'y crois. Allez, Florian, il faut arriver aux 10 mètres quand même. Bon sang, bon sang. On va voir, j'en sais rien. Les pingouins ont l'air un petit peu. Allez, j'y crois. Allez, allez. Ils sont pour toi, les pingouins. On attend le ralenti, c'est un moment important. On a l'impression que c'est l'arrivée du 100 mètres aux Jeux Olympiques. Est-ce que c'est Daniel Sangouma qui l'a emporté devant Carl Lewis? Daniel Sangouma, Max Morinière, attention, c'est qui maintenant peut-être? Christophe Lemaître. Est-ce que le pingouin a réussi son coup? Tu veux voir les 10 mètres? On attend évidemment le réalisateur irlandais, il est peut-être plus bourré aussi. Hein. Il n'arrive pas à retrouver son ralenti. Peut-être qu'il avait une répression. Allez, pingouin, allô, allez. Plaf. J'ai envie de sauter dans cette eau aussi, je transpire de partout. Allez. Elle est très froide hein, cette époque-là de l'année. Ouais, elle est hein. À 9 degrés hein, selon Météo Dublin. Allez, j'y crois. Le ralenti, la règle. Voilà, on va mesurer. Parce qu'ils avaient le feu sacré évidemment. Attention. Regardez-moi ça, c'était magnifique. 10 mètres, peut-être 10 mètres. Allez, allez, allez. Quasiment. Tu penses, Florian? Oh, 9, allez, 9 mètres. Ah, allez. À la barre, il y a un problème de symétrie, de géométrie sur la ligne. Mais c'est souvent le problème de la barre. Mais ça, le problème, quoi. Ah, oui. Ah, la barre, c'est Corneille, évidemment. Non, c'est Corneille. Non, c'est Molière. Ah, c'est Molière. Ouais, Corneille, c'est le cid. Je baille au Corneille, voilà, et je bois du cid. Voilà. This is Team Spirit Radio. Ah, mes illusions perdues, évidemment, 3, de Balzac. 2, vous avez vu le père Goriot ou pas? Oui, je connais sa mère aussi. Ah, sa mère Goriot, le père Goriot, le fils Goriot, je connais toute la famille Goriot. Alors, oulala, ça a pas l'air très solide cette affaire. Hein. Oui, mais là, c'est vraiment. Regarde ça un petit peu. C'est des robots. C'est très spectaculaire, c'est très important. C'est des robots en papier d'alu, c'est de la papillote. Il y a quoi? On peut dire des roues, une grande roue, une petite roue. Oui. Il y a de l'aluminium, il y a une structure en bois, ouais. C'est quoi, Florian? Pas de plus de 150 kg, c'est ça hein? Pas plus de 150 kg et pas plus de 10 mètres de long. Il y a quand même des règles, hein. Ça a l'air d'être du grand n'importe quoi, mais il y a quand même. Vous croyez quoi? Vous croyez dans votre vie que c'est tranquille, que c'est de la gaudriole? Non, c'est de la compétition. Évidemment. Il n'y a pas que la Ligue des Champions. Non. Et là, vous avez même le championnat du monde. C'est la Ligue des Couillons là-bas. De Flugtaf, Flugag, Flugtag. Flugtag. Flug, sachez qu'on a acheté ce programme très cher en Allemagne. Quand même. Et ils n'ont pas fait un prix de gros. Ah bah non. Alors là, je peux vous dire, les Allemands. Vous l'appréciez pris plat tarif. Allez, on va essayer de monter en haut de cette machine comme pour décoller. Ça serait bien, c'est le but de. Oh là là, j'y crois. Ça y est. Vous y déjà, croyez. L'important c'est qu'ils sont très hauts, mais c'est pas très haut qui compte. C'est très très loin. C'est d'aller très très loin. Cette combinaison, c'est une allu totale. Est-ce que ça va décoller? Attention. Allez. Allez, il y a des ficelles pour battre les ailes. Nearly there. Beaucoup de créativité, beaucoup de fantaisie. En tout cas, regardez-moi ça. Il y a ça même pas l'air hyper stable. C'est du polystyrène, non? Il y a du polystyrène, il y a du bois, il y a tout. Et pourquoi elle s'appelle polyester? Parce qu'un jour, je crois qu'elle était en voiture, elle a vu un camion qui transportait du polyester. Et c'est pour ça que polyester s'est appelé polyester. Véridique. Ah. Est-ce que j'ai entendu un genre polyester? C'est parce qu'un jour, elle était sur l'autobus. Ah, oui. Je crois que c'est ça, si j'ai bien vu Wikipédia. Alors attention, j'y crois, regardez-moi cet oiseau, elle est déjà à 5 mètres de haut. Allez, Florian, on pousse à nickel. Allez, plein gaz. Allez, pleine vitesse. Allez, plein feu, ouais, c'est maintenant ou jamais. Allez, au bout de ses rêves, ouais. Extraordinaire performance de cette Danoise. Là, on peut vraiment dire qu'il y a que ça a plané pour lui. Ça plane pour moi, ça plane pour moi. Mais c'est normal, le plastique, c'est fantastique. Il y avait beaucoup de plastique sur cette ancienne. C'était plastique sans Bertrand. Et regardez-moi ça un petit peu, ça fait 10 mètres. J'ai peur. Allez, Florian, c'est 10 mètres. Ouais, on met plus et plus. On est à 11-12 mètres même. Extraordinaire performance. Elle a pris des risques. Là, je dis oui. Elle est allée à Leroy Merlin hier matin. Elle a acheté tout ça. Ils ont confectionné. C'était dans la nuit, ils étaient 25 dans l'équipe. Le roi Merlin l'enchanteur, parce que plus de 10 mètres. Absolument. Extraordinaire performance en tout cas. Ah, là ils nous ont fait plaisir. Et c'est du sport. Regardez ça. Ils ont été récompensés. On continue ces courses de caisse à savon volantes sur la chaîne L'Équipe avec les prochains concurrents. Et merci vraiment à tous d'être avec nous évidemment ce soir. Vous nous portez avec ce programme, avec votre fidélité. Merci Florian, nous sommes très heureux. On adore ça, et vous aussi je le sais. Et là on est avec alors iPhone 6. Donc on est quand même sur des vieux modèles. Il n'y a pas une mise à jour. Mais c'est normal, moi je mets toujours en mode avion. Ils sont en mode avion également. Ils sont en mode avion. Ils vont voler, ils vont déranger personne. Au contraire, ils vont nous faire rêver. On va voir ça, la petite chorégraphie pour se chauffer. Et là, avec dans ce téléphone, je crois qu'il y a l'acteur Christian Clavier qui a été embauché, évidemment. Christian, on le salue, évidemment.
Et là, c'est du touche à touche. Ah ouais, comme vous, hein, quand vous caressez, c'est très tactile. Hein. Vous avez l'écran tactile, vous, Johan, finalement. Ah, je suis textile. Ah, il est textile et tactile. Essaye, c'est parti, frotti, frotta. Ça frotte, oh là, 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 là. Je suis le roi de la nuit, le roi de la night, oh, là, là. Regardez-moi ça. Encore son popotin. Regardez-moi ce petit selfie, ce téléphone. Si vous m'appelez, évidemment, je vous répondrai. 06 82. Non, 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 donnez pas votre numéro de téléphone à l'antenne, Johan. Ah là là, qu'est-ce qu'il y a après le 06 82, je ne sais plus. Allez, c'est parti. Et dégâts. Le téléphone sonne en tout cas, ça va être magnifique, regardez-moi. Allez, Aubervilliers. Allez, Jean-Louis. Ouais, 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 ouais. Non, ouais, ça brille, ça brille, ça brille. Il y a un problème de coordination, mais je pense. C'est les roues. La tête pensée. Mais non, mais ils ont pris un caddie de supermarché. Les roues caddie de supermarché ne sont pas fixes, alors ça tourne et ça brille. Oh là là, ils se sont trompés de numéro là. Ah là là. Franchement, ils ont appelé en numéro masqué alors que nous on voulait les voir vraiment à visage découvert. C'est un échec, moins de 5 mètres. Ah, ça a bugué, voilà. Oh là 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 là, là, regardez-moi. Appeler surtout le service après-vente. Hein. iPhone. Si son téléphone est sous garantie. J'ai adoré mon jeu de mots qui est passé d'aperçu. Non, iPhone, j'ai entendu. iPhone même, hein, je crois que c'est terrible de répéter des jeux de mots. Oui. C'est parce que c'est des pires. Le pire, c'est d'expliquer ces blagues. Quand tu commences à expliquer des jeux de mots foireux, c'est voilà. Très mauvais signe. Oui, c'est qu'est-ce dur. Qu'on peut faire encore sur le téléphone ? Sur l'iPhone ? Sur l'iPhone. Ah là, c'était iPhone. Ils sont restés sans voix. Ah, ça, c'est votre jeu de mots. Oh. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors, c'est un kebab. Amenir, ce n'est pas un kebab. Un kebab ou un menhir ? Parce que ça tourne comme un kebab. Ah, c'est un kebab. Et là, c'est le bonheur, salade, tomate, oignon. Ah, pour s'en payer de bonne tranche. Ah, c'est du magnifique, regardez-moi. Non, non, c'est une pinte de bière, c'est une pinte de bière. Mais oui, c'est de la Guinness. Oh là là. C'est de la Guinness qui veut rentrer au Libre des Records. Ça, c'est génial. J'espère que ça ne sera pas une mise en bière, évidemment, pour eux. J'espère que ça va mousser. Ça va mousser, en tout cas, ce sont parmi les favoris. Hein. J'ai lu ce matin le dossier de presse, ce sont parmi les favoris de la compétition. On va voir quand ils vont s'envoler, parce que je ne vous jette pas la bière. Mais j'étais énervé. Là. La pinte va essayer de décoller. On est dans le pays. On est vraiment à la pinte du combat. À la pinte du progrès. Pour à la pinte du combat. Attention. Allez. Mais faut pas se pincer à l'arrivée. Hein. Oh, attention. Là, c'est un. Attention. Allez. Yes. Allez. C'est un chaud la pinte. Allez. On est à Villepinte. Là, c'est le congrès de Villepinte. Attention, Villepinte n'est pas. Il y a 150 secteurs à Villepinte. Attention. L'embouteillage est à Villepinte. Allez. Et sur l'aile, je crois qu'il y a du pâte qui est peinte aussi. Bon, ça décolle pas là. Allez. Non mais là on se décolle, on y va, là, allez, on va pas vous accoucher maintenant, allez, c'est parti, allez j'y crois, allez ouais. Ah c'est pas mal, c'est pas mal. Mais il y avait pas assez trop lourd de l'aile, trop lourd. Je trouve qu'ils ont été un petit peu comment dire dans le travail, c'était un peu trop basique pour moi. C'était un peu trop basic instinct pour moi, franchement il y avait un problème je trouve d'investissement dans le travail. Alors basic instinct il est sous la jupe des 8 culottes. C'est pas vraiment. Alors j'ai vu ce film pour la première fois il y a quelques jours seulement. C'est vrai ? Et alors culotte ou pas culotte ? Il y a un grand débat là-dessus. Extra. Vous savez que la première fois que je l'ai vu c'était au cinéma. J'étais au deuxième rang. Je peux vous dire que là, j'ai vu. Hein. C'est vrai. Ah bah là c'était la grotte Glasgow. Oh là là, Sharon Stone, c'est absolument extraordinaire. Sharon Stone, on la salue d'ailleurs, elle parle très bien français. Avec Michael Douglas, Michael Douglas évidemment. Extraordinaire, on se régale. Et là il y a un de nos collègues qui vient de passer, Benoît. Oui. Ben, oui. Chef d'édition de l'équipe de Greg, voilà. On le salue. Voilà, qui nous fait des grands signes, en gros vous êtes complètement taré. Voilà, et voilà. Il prépare son sujet, évidemment. Le sujet c'est évidemment est-ce que Paris a déçu hier soir contre Leipzig ? Est-ce que c'est une victoire en trompe-l'œil ? Vous le saurez tout à l'heure. Oui. Et là on se régale, regardez-moi une bigouden. Bah non, c'est encore c'est Toy Story, c'est il y a Woody, il y a Buzz Lightyear. C'est un univers que je ne connais pas, je ne maîtrise pas mon sujet. Ah non, je vois ça. Là c'est quoi, c'est des robots, c'est quoi ? Mais non, c'est qui cette dame là ? C'est qui cette dame ? C'est la cowgirl, la copine de Woody. Ah. Moi je suis plus que cowgirl évidemment. Toute une éducation à refaire, Yvan. Parce que Jean-Paul Belmondo, n'oublions pas, hein, une des grandes histoires d'amour, c'était avec une célèbre Coco Girl. Natty, et oui, Coco Girl. Betty. Natty. Alors Betty, je sais pas, peut-être, mais officiellement c'était Natty. Elle n'était pas suisse, Natty. Non, c'était pas la Natty. Comment il s'appelle le genre de Lyon déjà ? Les gens de Lyon. Le genre de Suisse. Lyon, Shakiri. Et bien là, et je peux vous dire, si vous dites, mais c'est vraiment le bébé de show ici. Ah, c'est la vache Shakiri. La vache Kiri, le Shakiri. Et ça danse, et ça danse, et bêtise, il va falloir s'envoler. Ah, on est sans filtre dans ce programme. Tout ce qui nous passe par la tête, on le sort. On est complètement fumé. On est comme des personnes âgées. On est comme le saumon, hein. On est fumé. Ah, on est fumé. Bah, saumon fumé en Irlande, c'est bon, le saumon d'Écosse, saumon d'Irlande.
Ah là là, Toy Story. Ah, ben j'adore. Je vous l'avais dit. Au son de Martin Solveig. Hello. Hello ou allô? Hello. Tel est le mystère qui va être dévoilé en quelques secondes quand ils vont. On se jette Hello évidemment. Se décider à s'envoler. Eloïs. Ils prennent leur temps. Allez, on y va maintenant. Allez, c'est un petit moment de pause. C'est le seul moment du match, un petit peu comme avec le PSG de temps en temps. Un petit moment où c'est un peu plus calme. Il y a un temps mort, un temps faible. On se repose un petit peu, c'est un petit peu la pause. Quoi déjà, c'est un petit peu la pause fraîcheur. La pause fraîcheur. Bah là, ça va être la pause fraîcheur pour eux parce qu'ils vont finir à l'eau. Hein. Allez, allez, on y croit maintenant. Allez, c'est une sorte de delta plane. Hein. C'est tellement impressionnant. Allez, on y croit. Allez, vers l'infini et au-delà. C'est ce qu'on allez, Florian. Allez, on y croit, bordel. Excusez-moi pour ce langage peu châtié, mais c'est la passion qui parle. C'est mon cœur qui parle. Je crois en elle. C'est un gars, c'est une fille. Allez, on y va maintenant, bon sang. Allez, on donne tout. Allez, on encourage Buzz Lightyear. Allez, allez, allez. Quelle épreuve mythique, et bientôt ça sera sur la scène aussi. Je crois que j'ai eu l'un des radiateurs au téléphone. Oui. Il va y avoir, ça sera pas loin de la Tour Eiffel, ça sera absolument extraordinaire. Très bien. Il y aura des caisses à savon volantes. Génial. Sur la scène. Mais on en veut, et on veut des caisses à savon tout court aussi en France. On veut, avec Johan, on l'a aussi engagé, on aura notre on caisse à savon le faire, de la chaîne L'Équipe. Parce que la vie, c'est pas commenter. Allez, les c'est autres. Parti. C'est voilà. Vivre les aventures par nous-mêmes. Allez, allez, vers ouais. L'infini et à la flotte. L'important, c'est qu'il s'est jeté à l'eau et il a tenté sa chance. Il a osé. Oui. Il s'est inscrit. Un jour, il a pris une feuille d'émargement et il a signé son nom. Et il a dit j'y vais. Et surtout dans la vie, hein, vous, chez vous, vraiment, chers téléspectateurs, vraiment osez. Tentez l'impossible. Allez dans la kermesse locale, vous pourrez être le héros de votre village. Il a fait le buzz, mais de manière très éclair. Comme son nom l'indique, c'était Buzz l'éclair. Regardez. Non, non, c'est décevant. C'est 7 mètres 50. C'est décevant, franchement. On aimerait avoir un saut en longueur. C'est qui le meilleur saut en longueur en France, là, sauteur en longueur là. Ouais, on aimerait un petit avoir un petit peu là un athlète. On aimerait avoir des champions français. On aimerait voir Teddy Riner. Teddy Riner qui avait été tellement extraordinaire pendant le match. Alors, évidemment des héros. Teddy Riner, je suis pas sûr que physiquement il soit vraiment outillé pour faire du saut en longueur. Ouais, mais il a tellement un la grinta. Saut en profondeur, oui. C'est un champion. Et un champion oui. Il peut être très bon dans tous les sports. Alors, un bateau, Johan. Ah. Et on est sur un air traditionnel. Et je suis un fils de marin pêcheur, donc j'y connais. Ah je m'y connais en bateau. Alors vous allez nous dire si ce bateau a des chances je crois qu'il de voler dans un premier temps et de flotter dans un deuxième. Il a été construit à Couëron, près de Nantes, ce bateau. Évidemment, un formidable chantier naval, des bateaux en bois. Et là, je peux vous dire, oh, regardez-moi ça, magnifique. On est sur de la GRS, salto hein. Avant, salto avant. Et là on assiste, c'est très important, avec Georges Brassens avec sa pipe. Et là on assiste à l'inauguration d'un bateau. C'est toujours un moment émouvant, un bateau oui, qui se construit. J'espère qu'il va pas la casser sa pipe à l'arrivée. C'est une aventure humaine de construire un bateau. Sûr. Parce que c'est un équipage derrière tout ça. Après ils vont partir en mer pendant 10 jours. Il y a des mamans qui vont être seules à attendre le mari, évidemment, qui part loin pendant 10 jours, remplir la cale de poissons, de crabes, de tourteaux. Ça sent le vécu, c'est beau, Yoann. C'est le vécu, ça. Évidemment, c'est terrible de voir un marin qui s'en va. Oh, je ferme les yeux, ça sent le varec. Oh, c'est beau. Tellement de famille, évidemment, hein. Les marins pêcheurs des grandes familles en France. C'est pas ça vous nourrit. Qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. La mer, elle m'a pris. Je me souviens. Est-ce que vous aimez les fruits de mer? Est-ce que vous aimez les fruits de mer? Bien sûr, moi j'adore les bulots. Ah, moi j'adore le boulot et je suis pas un faillot, je peux vous dire. J'adore les prairies farcies. Les prairies. J'adore le homard. J'adore les crevettes. Ah oui. J'adore le tout. Puis les huîtres. Les huîtres de Cancale, les huîtres du bassin d'Arcachon, les huîtres de Bouzy. Mieux être très égay que huit et triste, évidemment. Que huit et triste. Oui, oui, oui. Et là, je crois que c'est une technique tout à l'heure qui a marché. Tout à l'heure, je crois que je sais pas si c'est dans cette émission-là ou dans une précédente émission que vous avez vue d'ailleurs. Vous étiez 853 000 à nous regarder. Bien sûr. Et bien là, je crois que ça avait été. Ils avaient fait 15 mètres. J'y crois. C'est le grand moment de la soirée. Ouvrez grand monde ce soir. Ouais. Il lui a manqué. Il aurait fallu qu'il saute d'un peu plus haut. Ouais, mais la technique était très très bonne. Florian. C'était assez ingénieux. C'était pas bête. Regardez. Je crois. Allez, ouais. Regardez-moi ça. Ah, il a été. En fait, il y avait. C'est bizarre parce que c'était bien le parti. Le temps, c'est que. Il n'avait pas un gros bide. Non, mais l'aile était un petit peu trop rigide et le vent n'a pas pu s'engouffrer. Alors que l'idée était géniale. Il n'y a pas eu de portance, voilà. Il y a eu un manque de temps. Il manquait. Quoi, il manquait beaucoup de choses. Il manquait tout, hein, je pense, quand même. Tout. Mais au final. Était bonne. L'idée était bonne, mais il manquait. Et il rigole. Ben, bien et sûr. Voilà, il a gagné. C'est un gagnant, évidemment. Tout le monde est gagnant ici, même oui. Florian. L'essentiel, c'est de finir mouillé. Évidemment. C'est le principe de la caisse à savon. Très important pour que ça glisse, évidemment. Excusez-moi, je me suis emmêlé le fil dans ma, oui, je vois ça, dans oui. ma chaise, dans ma caisse à savon volante. Attends, je. Excusez-moi, je vais enlever votre casque. Hein. Voilà. Cascade de Johan qui enlève son casque. Formidable. Oh, bravo. Ça y est, je vous retrouve. Quel talent. Voilà. On en fait des caisses. Ah, on a un pet au casque, hein, et souvent on le perd.
tellement on est agité hein, en cabine. Vous nous voyez pas tout le temps, casque mais d'or, on n'arrête pas de bouger. Casque d'or, Simone Signoret. Ah, oui. Simone Signoret. Alors, en voiture, Simone, évidemment. À quoi ça ressemble cette machine volante là qu'ils nous ont imaginée? Alors, le réalisateur il prend un petit peu ses aises, là, il est tranquille, on est bien. C'est l'heure du goûter. Ou ça a l'air lourd. C'est lourd. Ça, ça va pas y aller. Non, c'est, ah, mais c'est trop forgé, là. On a le droit à 150 kilos, mais encore une fois, je le répète, on n'est pas obligé de les atteindre. Mais là, c'est une sculpture, là. Mais là, Johan, ça va piquer, ça va couler à pique. C'est une enclume. C'est pas un avion, c'est une enclume. Ils arrivent même pas à le soulever. Oh là là. Je vous annonce 2-3 mètres max. C'est vrai, mais est-ce qu'ils vont déjà arriver au bout de tarmac? Du tarmac, je sais pas. C'est le. Attention, allez. Allez, j'y crois. On y croit, regardez-moi ça. Ils sont. Attention, ils sont motivés, ils sont surmotivés. Ouais, c'est bon. Aïe, je vous l'avais dit. Ah, je vous l'avais dit. J'y croyais, Florian. Mais vous connaissez mieux la caisse à Saint-Volant que moi. Ah là là là. J'étais trop optimiste, et évidemment, hein. Ne faites pas ça chez vous, ou alors si vous faites ça chez vous, non. Évidemment, vous prenez des pompiers volontaires. C'était vous prenez un toucan, des amis. C'était un toucan, mais le toucan. Oh, 5 mètres à peine. Bon, tout fou le toucan, évidemment. Toucan, pas toucan. Très loin. Un but contre son toucan. Le bec dans l'eau. Vous venez de le voir, au ralenti. On y croyait pas, trop lourd, Johan, trop lourd. Quasiment plus lourd que nous. Et pourtant, on met la barre. Florian, vous pesez 65 kilos, j'en pèse 105. Non, je parlais de notre humour. Ah, notre humour est très, pas, très lourd. On fait pas dans la légèreté. L'humour est encore plus, notre humour est encore plus lourd que mon. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Les lance-roquettes. Ah, j'adore, Go West. C'est Go West. Go West. Et ça, c'est le Paris Saint-Germain, c'est le Parc des Princes, évidemment. C'est le Parc des Princes. C'est la musique des 90, c'est la Champions League. J'adore cette chanson. C'est quoi, c'est le nom du groupe? Alors, le groupe, c'est les Pet Shop Boys, mais avant, c'est Village People, les originaux de Go West. Et là, avec les Pet Shop Boys, évidemment. Allez, les caisses à savon volant. Allez, Paris Saint-Germain. Allez, Paris Saint-Germain. Allez, Paris Saint-Germain. Quart de finale, Paris-Real Madrid. Ça sera extraordinaire, évidemment. Et nous sommes, ce Paris-Real Madrid aura lieu, non pas au Bernabeu, mais il aura lieu, évidemment, en sur le port de Dublin. En Irlande. C'est magnifique. Et cette chanson, je t'assure, je l'aime d'amour. Est-ce que vous êtes d'accord aussi, si vous voulez, hashtag Go West, caisse à savon volante, la chaîne L'Équipe. Go West, go complètement à l'ouest, vous, Yoann. C'est ça qui est bien. Ah là là, j'adore cette chanson parce que, vous vous rappelez, c'était pas TF1 qui avait ça aussi à un moment donné, quand il y avait les soirées de Ligue des Champions, c'était absolument extraordinaire, ou Téléfoot. On salue nos amis de Téléfoot, évidemment, programme mythique. On vous salue, chers téléspectateurs. Globalement, on salue tout le monde. Et là, c'est quoi là? On a l'impression que c'est le Concorde qui est ressuscité. C'est le Concorde, ils ont massé Air France. Il n'a pas le nez du Concorde en tout cas. Mais il a les ailes du Concorde. Il a des grandes ailes. On a l'impression que c'est une cheminée, ils ont mis des ailes. Parce que moi, j'ai la même chez moi en Bretagne. J'ai une cheminée qui est pareille. D'accord, bah, et on met du bois. Et je peux vous dire, j'ai coupé des arbres pour avoir du bois. Et on envoie du bois sur la chaîne L'Équipe. Allez, c'est Go! Elle est grande cette aile. Ça frotte au bord là. C'est, regardez-moi ça, allez. Ça va aller très très loin, ça va voler. Il va falloir la pousser vite hein, parce que ça a l'air un petit peu lourd. Il part au charbon. Allez, c'est parti, sur les charbons. Allez, attends, décollage, c'est parti, ça arrive maintenant. PNC à vos potes. C'est l'heure de l'exploit. Désarmez vos toboggans. Oh, il reste accroché. Mais il reste accroché à mais quoi? Mais oui, je vous dis que ça touchait le bord. C'est resté accroché. Je vous avais dit que ça touchait le bord. Ouais. Il s'est pris dans le filet de sécurité. Oh là 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 là. Arrêtez-moi tout ça. La roue s'est prise dans les filets. Non mais quel cata. Ils ont réussi. Ce qu'on pensait jamais. On pensait qu'il y avait. Là là là, la roue. Non mais déjà, ça part complètement à droite. Ah bah là, parce que la roue s'est prise dans les filets. Et non, mais c'est incroyable. Ils ont même pas siège fait. Éjectable. Oh là là, j'ai eu peur pour la dame. Oh là là là. C'est terrible. La fin de mi-tour. Heureusement qu'elle n'est pas restée bloquée dans l'engin. Eh ben. Oh, quelle vie. Quelle foirade. Allez, ça compte. J'adore. La Jamaïque. C'est la Star Rocket. Et moi, avec moi, c'est pas Star Rocket, évidemment. Moi, l'Italien. I can see clearly. Si vous n'avez pas vu ce film, chers téléspectateurs, chers amis, ça vraiment aller regarder. C'est extraordinaire. Histoire vraie. Oui. Et on sort notre Bob évidemment. Et là, regardez-moi. De Bob Slake de Jamaïque. Et là 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 là. Usain Bolt évidemment. Usain L'Équipe Bolt. J'espère qu'ils vont pas manquer de Bolt et s'envoler. Et oui, et vraiment, vous êtes sur l'Usain 21.
Record du monde, c'est quoi le record du monde du 100 mètres déjà? 9,40. Oui, c'est 9 et quelque chose, 9,30, 9,30. Excusez-moi. 9, 15, oui. Hashtag je ne sais pas. Oui. Et là, regardez-moi ça, il y a de l'aérodynamisme. C'est une bombe volante, ah ouais. C'est une ogive, là, c'est maintenant. C'est vraiment le. Ouais, c'est le bobsleigh, c'est le bobsleigh des Rasta Rockets. Le record est là maintenant. Ils sont nés pour créer le. Je le trouve pas mal. Le record du monde pourrait sauter maintenant. On vous rappelle évidemment que la partie supérieure se détache de la partie inférieure et c'est ce qui compte. Et le vent, il y a moins de 2 km/h de vent. J'y crois, Johan, j'y crois, allez. La prestation sera homologuée, en tout cas la Fédération Internationale des Caisses Volantes. Allez, 22,50 m, c'est le record du monde des caisses à vent. J'y crois. Allez, c'est bon. J'y crois pas. J'y croyais pourtant. Mais qu'est-ce qu'il a manqué, Florian Bouquizet, de l'élo complément expert mondial. Un peu lourd, ça a piqué du nez, trop de poils avant. Je comprends pas. Trop de poils avant. Et il est heureux. Bon, mais au moins, il flotte, hein, c'est toujours ça de prix. Je comprends pas que c'est tombé à l'eau, là, ce record. Tout était prêt, évidemment. L'équipe, le journal de l'équipe demain avec Jérôme Cazadieu. Le directeur avait préparé 9 pas spéciales quand même pour être à la hauteur de l'événement. On salue Jérôme et c'est terrible ce qui se passe là. Oui, mais il y a eu un Jamaïque. Il y a eu un Jamaïque. Quand même 10 mètres. 10 mètres, oui, mais quand même, le record est 2,50 m. Oui, d'accord, pas 10 mètres, Johan. Qui sera à mettre dans l'équipe demain? Parce que demain, il y a 12 pages à remplir quand même. Il y a 12 pages à remplacer, évidemment. Donc Florian. Et on me dit que c'est la meilleure distance, Johan. Ah, c'est terrible. C'est la meilleure distance de l'après-midi. Mais après-midi, pas dans l'absolu. Vous vous contentez de peu, Florian. C'est ça votre problème, je vous donne le record du monde. Vous contentez de peu. Parce que vous pensez que je n'ai pas le record du monde. Demandez-moi le record du monde, voir si vous allez l'avoir. Alors, Florian, quel est le record du monde, s'il vous plaît, de caisse à savon volant? Eh bien, c'était le 21 septembre 2013, en Californie, à Long Beach, et ils ont fait 78,60 m. On n'a pas les images, là, on n'a pas les images. Il n'y a pas Lina qui a les images. On les a pas encore achetées, celles-là. Ça coûte trop cher, c'est trop on n'a pas eu l'argent de poche de nos parents, donc pour l'instant, on peut pas les acheter. Mais moi, mon PL, il est bloqué 3 ans. Ah oui, bah, écoutez, je vais appeler cet LM, le bonhomme. Je vais appeler le Crédit Maritime. Alors, il y a du canard. 60, combien vous m'avez dit? 78 non, mais mètres. C'est extraordinaire. Et là, alors pourquoi eux, ils font ça à 1,50 m? Alors, ça, c'est les derniers d'aujourd'hui, Johan. Alors, il y a du canard, il y a de la violon. Ouais. Alors, il y a un petit canard et puis il y a des. Il y a des bombardiers, c'est Top Gun. Ah, j'adore. Take my breath away. Cette histoire d'amour extraordinaire. C'est maintenant, on peut pas se quitter sans une grande performance. Top Gun, le prochain qui sort avec Tom Cruise. Le 2 qui sort en 2022. J'adore Tom Cruise. Ah oui. Allez. Et là, c'est un alors énorme dispositif. Très, très impressionnant. Beaucoup de matériaux. Oui, beaucoup de choses à mettre en place beaucoup avant de décoller. Évidemment, ils ont fait des cols, beaucoup de clous. Ah, des heures de cols, des heures de boulons. Hein. Allez, c'est les derniers aujourd'hui sur chez l'équipe. J'aime le boulot et eux, ils aiment les boulons. Voilà. Orange, Aura, ça va être Orage alors, mécanique. Qui est-ce qui pilote? Est-ce que c'est Maverick ou est-ce que c'est Iceman? Voilà la question. C'est magnifique. Je pense que c'est Maverick. C'est Tom Cruise. Allez, c'est l'heure. C'est l'heure maintenant du crime. C'est l'heure du crime parfait. C'est peut-être un petit vol pour Tom, mais un grand vol pour l'humanité. Exactement. Allez. Allez Tom. Allez, y a pas de mission impossible. Allez Tom, ils connaissent la route. Hein. Y a pas de mission impossible pour Tom Cruise. Allez. C'est la carte du tendre maintenant. Allez. Allez, vous n'avez pas le droit de nous décevoir avant de nous quitter. Allez. Allez Maverick. Allez Maverick. Allez. Tom Cruise. Ouais. Pas mal. Je crois qu'on n'est pas loin des 15 mètres si mon œil est bon. Alors votre œil est peut-être pas si bon que ça. Je dirais quand même à peine 10 mètres. Mais quand même, il y a eu de l'effort. Alors je veux pas vous casser votre délire, Johan. Et là, regardez-moi, Florian, on a vécu du bonheur. Regardez, 15 mètres. Non. C'est décevant. Allez, 12 mètres. Je vous le fais à 12 mètres. Pourquoi dans la vie, souvent, allez, il me reste un petit peu, je vous le mets quand même 13 mètres. Oh là là, on a passé encore un programme extraordinaire. Et oui, beaucoup d'échecs. Ce sont des champions. Et ils apprennent l'humilité à travers ces vols ratés. Et nous, on rigole avec eux. Et ils nous divertissent, c'est le principal. Et bien ils sont là pour nous amuser. On a été un petit peu vos pilotes. Vous avez de formidables stewards évidemment dans la carlingue. PNC vos portes. Vérification des portes Vidiette. Posées. Désarmez votre toboggan. Papa Charlie Tango. À vous. Vous allez atterrir dans. Et Maverick minutes. Qui tombe à l'eau, éjecté de son chasseur. Ah là, on a vécu un programme absolument extraordinaire, des émotions. C'est dommage qu'il a pris l'air, il s'est relevé, sinon ça partait quand même pas mal. Hein. Alors on a le classement final, le podium, championnat du monde en Irlande sur la chaîne l'équipe. Regardez-moi ça. Médaille de bronze. Ils sont heureux, ils ont froid évidemment, il fait un froid de canard ici. C'était eux là. Regardez-moi ça. Alors c'est des viennent d'un collège irlandais. Ouais. Magnifique. Pas mal. Mais la règle, il pourrait s'arrêter à 15. Hein. Le graphiste là, il n'avait pas besoin de faire 20. Il doit pas être ami avec eux. Il y a une histoire d'embrouille.
C'était vraiment une bonne tactique, je trouvais, de se mettre quasiment sur l'aile. Allongé. C'est comme vous, vous m'avez pris sous votre aile. Oui. Florian, avec grand plaisir. Beaucoup de vent aujourd'hui. Les hôtesses de l'air c'est sont vraiment... là aussi derrière. Alors Top Gun, ils sont où Top Gun? Apparemment, voilà Top Gun, médaille d'argent. Il a été plus fort que les turbulences. C'est eux là qu'on vient de voir. Ils sont passés en dernier, mais ils n'ont pas arrêté. Et c'est compliqué parce que franchement, c'est comme au football. Pourquoi le football est un sport si extraordinaire? Parce qu'il y a très peu de buts. Et là, pourquoi c'est si extraordinaire? Parce qu'on va tellement peu loin que finalement, même 5 mètres, ça paraît déjà le paradis. Mais par contre, il y a de la folie, il y a de la créativité. Et les grands vainqueurs aujourd'hui sur la chaîne L'Équipe, des concours de caisse à savon volante en Irlande. De qui s'agit-il, Johan? On va le savoir. C'est eux. C'est les Rasta Rockets. Fantastique. La Jamaïque en Irlande. Extraordinaire. Il y a du vert, le vert irlandais, le vert de la Jamaïque. Le monde et Kingston, évidemment. Et le vert de l'amitié après, forcément. Quel programme extraordinaire, quel sport de dingue. Il faut faire de la publicité pour ce sport. Les caisses à savon volant qui vont revenir bientôt sur la chaîne L'Équipe. C'est que le début. Ça plane pour vous. Ça plane pour nous. Et c'est de l'émoi, évidemment. Émoi. C'est de l'émotion. C'est des sensations fortes. Oh, c'était formidable encore. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis. Merci à eux. Bravo à eux. Merci, mon cher Johan. On s'est régalé. Merci à vous. Ça a été encore complètement déglingot. Complètement fou. On est arrivé déjà à l'aéroport. On est arrivé. Moi, je suis triste parce que, excusez-moi, j'ai mis un peu. Oui, mon micro dans la figure. Désolé, on a passé encore une soirée. Je viens d'avaler ma bonnette. Oh, je suis désolé. Un petit creux. Bon, ben, on se retrouve la prochaine fois sur la chaîne L'Équipe pour des courses de caisse à savon volantes ou pas volantes. Et regardez-moi ce programme international avec les Jamaïcains. À gauche, il y avait les Norvégiens. Et à droite, il y avait les Bretons. Voilà, formidable. Merci à tous. À très vite sur la chaîne L'Équipe. Merci, Johan. On s'est régalé, le régal de Madrid l'a emporté ce soir. Exactement.